Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour les caractéristiques d'héros d'Overwatch, et aujourd'hui on va attaquer le 13e épisode, et ce sera Torbjörn, ou Torbjörn, je sais pas comment on dit, qui est justement le dernier et le 6e héros défensif d'Overwatch. Donc on va tout de suite aller dans la galerie des héros et voir toutes ses capacités et tout ça. À son apogée, Overwatch possédait un arsenal parmi les plus avancés de la planète, dont la majorité des pièges pouvaient être attribués à l'atelier d'un génial ingénieur, Torbjörn Lindholm. Alors voilà. Alors, les modèles. Voilà, il y a encore d'autres armes. Le marteau. Oula, il y en a pas mal. Ouh, ça va être galère à tout prendre. Tourelle. Et tourelle. Je sens qu'il manque une tourelle, donc. Ah oui, d'accord, ok. Bon, je passe comme ça et après je remonte, d'accord? Ce sera peut-être plus simple parce qu'il y en a beaucoup trop en fait. Voilà. Bon, son marteau. Son arme. Et lui. Plomone. Il manque juste une tourelle hein, pour info. Hein. Même deux tourelles, il manque. Là. J'expliquerai après de toute façon tout ça. Et lui. Grone. Sa toile et son bouquet. Cathode. Je m'en doute parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Donc si on va passer trop de temps là-dessus, ça servira à rien. Chaîne massif. Assez sympa ça. Très chronor dans les coffres de jeux d'été. Je crois qu'il est islandais, un hein, truc comme ça. Hein. Torbjörn. Je suis pas sûr, mais. Ou irlandais. Je dirais plus islandais. Voilà, il doit être islandais. Je crois que c'est Starpolar. Deadlock. Ouais, chaud. Hein. Ah d'accord, le marteau, oui, ils s'en foutent, hein, c'est plus un marteau ça. Bon, je laisse juste les tourelles comme ça parce que sinon ça prend trop de temps, on va éviter. Ça c'est motard. Ça qui change pas. Son arme. Puis lui. Barbe noire. Pas mal. Son arme. Son marteau. Sa tourelle et son armure, barbe rousse. Le tourelle est juste comme ça parce que c'est symétrique de toute façon. Donc, je perdrai plus de temps qu'autre chose. Son arme et sa barbe rousse. Père Tourelle qui est dans les coffres hivernaux. Pas Père Noël, hein, Père Tourelle. Pas mal la référence. Avec ça, franchement, il est sympa, Père Tourelle, comme ils disent. Sa tourelle magnifique, je trouve. Franchement, elle est belle. Voilà, pardon. Ingénieur en chef Lindholm, qui est insurrection. Pendant bien des années, Torbjörn Lindholm a été ingénieur en chef d'Overwatch. À ce titre, il a conçu nombre des armes et des technologies les plus emblématiques de l'organisation. Voilà. Franchement, je trouve magnifique celui-là. Vous allez voir. Je le trouve très sympa, en tout cas. Spécial, mais il est sympa. Et mécano, insurrection aussi. Un peu moins, je trouve. Juste comparaison. Par exemple, en chaîne massive, vous voyez la tête qui est complètement différente. Voilà.
elle et son armure, voilà. Maintenant, les emotes. C'est dense. Quel spécial. Alors, j'active juste. Alors, on va voir son emote. Pas dedans. Bon, pas dedans. D'accord. Pause. Poilade. Qui veut le baston? Qui veut la baston? Ok, surcharge. Des fois ça arrive de partir en cacahuète. Célébration, marteau. Classique. À califourchon. Avec sa tourelle, justement. La double tourelle. Une petite pause. Jeu d'été. Médaille, rip. Halloween. Et toast, coffre hivernant. Pas mal aussi. Lire le boulot bien fait, ça finit toujours par payer. Faut jamais mettre toutes ces boulettes de viande dans le même panier. Évitons d'acheter un hareng dans un sac. Va falloir assembler tout ça. Ça tourne comme prévu. J'ai débuté ma carrière comme ingénieur chez Fjord. On sous-estime toujours les ingénieurs. Pour la dernière fois, je suis suédois. Donc il est pas islandais, les suédois. Je suis fort en drapeau, moi. La date de livraison? Quand ce sera terminé. Laissez faire l'expert. Ouais, je dois limer mes cornes tous les matins, sinon elles repoussent. D'accord, ok. Et j'en ai encore sous le pied. Si tu construis ça, ils vont mourir. Halloween. À la commande. Hiverno. C'est trop chaud pour vous. Lunaire. Je vais jouer du marteau. Injection. C'est toujours la faute des outils. Injection. Faites-moi confiance. Anniversaire. Je t'en prie, bébé, faut que tu tiennes. Anniversaire. Les tags. Tourelle. Roi de trèfle, quoi, je l'ai. Ah bah, j'active direct. Par rapport à lui. C'est même pas que je l'avais, hein. Barbe. Non, c'est non. Chaud. Bon, voilà, après vous regardez. Ça, c'est le haut fait reine manquée, donc le tag mignon. Tag pixel, le haut fait chevalier des temps modernes. Bon, ça, c'est aucun rapport. Voilà. Après, où est-ce qu'ils sont? Enfin, où est-ce qu'il est plutôt? Waterpolo, jeu d'été, un bobo, une farce, Halloween, décoration, Vierno, pas mal. Qu'avons-nous d'autre? Coffre lunaire, dans le dragon, or, coffre lunaire aussi. Non, ça n'a pas de rapport. Brigitte, direction. Et voilà. L'entrée en scène. Alors j'active juste à toi. Je suis pas sûr que ça rafraîchisse beaucoup ça. Direction ça. Ok. Et les armes. En or. Ouais, spécial comparé. Ouais, c'est spécial. Ouais, c'est... je pensais que ce serait peut-être un poil plus doré. Ouais, comparé. C'est joli, mais j'aurais pensé que ce sera que c'était un peu un poil plus doré. Voilà. Bon, ça on a vu la carrière. Les au fait, disons la défense et Torbjörn. Chevalier des temps modernes.
pour le tech pixel, avoir un module d'armure de Torbjörn actif sur 5 alliés à la fois, en partie rapide ou compétitif. Chaud, mais c'est possible. Et le mignon, tuer 4 ennemis en une utilisation de cœur de magma avec Torbjörn en partie rapide ou compétitif. Ok. Alors, les... comment ça s'appelle ? Les icônes de joueurs, qui sont ici, 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 de Torbjörn. Donc, il y a Torbjörn doré, forge, tête tempête, mais je suis pas sûr. Je crois pas, non. Alors, qu'avons-nous d'autre ? Je pense qu'on a une icône tourelle, non ? Je sais pas, Torbjörn, rouage, waterpolo, père tourelle, ingénieur en chef, et voilà. Pardon, entraînement, on va sur chantier. Vous allez comprendre. Donc, sélection des héros, il est ici, on y va. Déjà, vous voyez. Donc déjà, vous voyez qu'il a 200 points de vie, il a 18 tirs, il a une deuxième arme en cliquant sur E, ou alors en cliquant sur le E, E-T, mais dans une autre forme. Vous cliquez là, plus simple avec la roulette, hein, je précise. Après la capacité, mage gauche et E, voilà. Donc déjà, voyons voir son arme principale, vous tirez, vous voyez, il descend. Vous voyez, le truc descend, l'arme descend, enfin le tir descend. Je sais pas si vous voyez bien, mais voilà, regardez, hop là, il descend. Ce petit truc là. Il descend, enfin voilà. Il descend, voilà. Après, il fait assez mal, hein, comme vous pouvez voir. Il fait franchement assez mal. Si vous débrouillez bien, vous pouvez faire très mal, hein. Voilà. En charge, je vais vous expliquer après qu'est-ce que je récupère. Voilà. Alors, juste pour info, alors, vous voyez ce que je récupère. Je récupère ça parce que j'en ai plus besoin. Enfin, regardez ça. En fait, si vous regardez à ma droite, il y a marqué ferraille. À la droite. Il y a marqué ferraille. Et en gros, cette ferraille-là, on peut balancer avec eux, ça en utilise 50. Et donc, au fur et à mesure, on la récupère. Et quand on prend ça, ça nous en redonne. Enfin, je crois que ça nous en redonne 20. Voilà, ça nous en redonne 20. Et au bout de, bah, de 50, on peut l'utiliser, voilà. Donc ça, c'est le but de la ferraille. Alors voici, juste pour info. Voilà, alors ça, c'est les trucs d'armure que je vous ai montré tout à l'heure, voilà. Donc ça, c'est l'armure. Donc tant qu'on en a 50, on peut l'utiliser. Il faut le balancer le plus possible aux alliés parce que ça redonne 75. Voilà. Les alliés aussi. Si un personnage meurt, mais pas par vous, hein, par les alliés, vous pouvez récupérer. Regardez. Oui, même s'il meurt, même si vos alliés. Je suis en train de me dire que même si. Regardez, on va attendre. Regarde juste. Le bruit différent quand on utilise l'armure ou pas. Ça, je précise. J'attends qu'il y en ait un qui meurt. Ouais, il meurt. Même les alliés fournissent de la ferraille. Donc, ça, c'est important. Hein. C'est très utile. Voilà. Après, il y a mage gauche. Par exemple, je vais mettre ici. Même là-bas, ce sera peut-être plus simple. Après, vous récupérez la ferraille et vous les fournissez aux autres personnes. Donc, mage gauche, vous créez une tourelle. Déployer, annuler, voilà. Vous avez une tourelle qui a 150 de points de vie. Voilà. Qui a 150 de points de vie. Alors, peut-être juste avant toute chose, je vais vous montrer quelque chose. Non, après. Qui a 150 points de vie. Qui tire des tirs, mais pas très très souvent. Après, vous regardez, en dessous, à côté de votre barre de vie, il y a marqué 150. Et il y a 1 au niveau de la tourelle du signe, du logo de la tourelle, on va dire. Vous tapez, et là il y a une petite barre qui se rajoute. Et jusqu'au level 2. En fait. Jusqu'au level 2. Au level 2, voilà. La tourelle augmente et elle tire beaucoup beaucoup plus. Donc ça c'est la tourelle. Alors, ok, qui vous élimine et qui vous donne des points. Et vous pouvez récupérer la ferraille, bien sûr, des ennemis.
Petite nuance, regardez. Je vais juste mettre une tourelle là. Voilà, si je reprends les dégâts. Vous allez comprendre. Regardez, alors là, regardez. Mince, il est mort. Non, bah non, je vais pas l'augmenter de niveau, je vais attendre qu'il revienne. Et je vais vous montrer. Regardez, la tourelle, elle prend des dégâts. Et pour la réparer, vous mettez des coups de marteau. Alors ça augmente pas le niveau, mais ça fait la... ça augmente la tourelle de points de vie. Sachant que la tourelle de niveau 2 a 300 points de vie. Voilà. Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Le marteau, c'est aussi une arme de corps à corps, hein, qui fournit des dégâts. Que je croyais qu'il en fournissait, mais en fait non. Non, il fournit pas de dégâts, en fait. Vous croyez, je... Ah. Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Oui, le A. Alors, je vais reposer ma tourelle ici. Pour vous montrer. Si ça prend un peu de temps, mais c'est niveau aussi de motel, c'est pour ça. Alors, vous voyez. Alors là, je vais activer ma capacité spéciale. Alors, si vous regardez bien, la vitesse auquel je tape au marteau. J'active, je tape beaucoup plus vite au marteau. Et la tourelle, déjà, elle a aussi changé de couleur. Et je tire plus rapidement aussi, comme ça. Et la tourelle change de couleur, donc elle est beaucoup plus puissante, elle a des roquettes et tout, hein. Voilà. Vous voyez ce que je veux dire ou pas? Qu'est-ce que j'aurais à dire d'autre? Moi, j'aurais rien d'autre à dire, hein. Les tourelles ne prennent pas les... Regardons un peu les capacités. Ferrailleur, ça c'est fait. Module d'armure, marteau, de forge... Ah oui. Ah oui aussi. Ça je savais pas, tout droit. Bon précise. Mais à longue portée, c'est ça ou à ouais. Courte portée, ça permet de... Je reviens ici. Oui, arme puissante à courte portée mais imprécise. Arme à longue portée avec tendance de tir lente. Voilà, donc si vous êtes encore à corps avec des personnes. Des robots, bien sûr, parce que des robots. Vous pouvez les défoncer comme ça. Ça je savais pas qu'il y avait un petit droit. Que Torbjörn avait un petit droit, voilà. Donc pour moi c'est tout ce qu'il y avait, et vous regardez aussi quand ça l'utilise, ça fait ça. Il y a un petit point d'exclamation. Et quand elle est détruite, ça le marque, et vous aurez plus votre barre de vie de la tourelle à côté. Voilà. Alors la tourelle pour vous devoir reconstruire une dure 8 secondes. Et la capacité spéciale, elle va durer 10 secondes, je crois, comme ça. Et on va juste revérifier vite fait. Voilà. Juste revérifier, et après on va directement attaquer la partie rapide. Voilà, c'est parti, je l'ai. C'est parti, on va regarder. Ouais, ça dure 12 secondes, hein. Ouais, bon, vous pouvez directement défoncer un ennemi, voilà. Et vos points de vie, la tourelle a 800 points de vie, et vous, vos points de vie sont de 575. Vous rajoutez à chaque fois 300. Un truc comme ça. Voilà. Alors, désolé, mais je me fais bien vous montrer. Là, c'est 150. Je vais revérifier. Hop là, je tue des ennemis rapides. Voilà. Pour pouvoir récupérer la capacité spéciale et voir. C'est peut-être un peu long, mais... Je vais essayer de faire le plus rapidement possible. Ouais, la tourelle de niveau 1 garde les mêmes points de vie et vous rajoute 300. Et en armure. Hein. Et la tourelle, elle a 800. De niveau 2, elle a 800 à la place de 300. Voilà. Donc c'est beaucoup mieux, c'est gavé dur à la détruire. Pour info, vous pouvez donner un coup de poing que dans cette forme-là. Que avec cette arme-là. Avec l'autre arme, vous pouvez pas. Voilà. Donc on va directement attaquer la partie rapide. Parce que sinon, elle va prendre beaucoup de temps et on va éviter. Allez, on y go. J'espère que ça sera de la défense. Parce que sinon. Voilà quoi. Parce qu'on attaque Torbjörn, il est pas très très bon. Mais je vais quand même essayer de le gérer avec. Sinon.
Tu la trouves cette partie là? Alors désolé hein, si la partie dure un peu plus, enfin si la vidéo dure un peu plus longtemps. Mais bon voilà, j'y peux pas grand chose parce qu'il y a beaucoup de personnages en fait. On est en défense. Hop là, je récupère, je regarde. On est directement en arrêté le convoi. Je vais voir si je peux quitter ou pas. Non, parce que sinon je vais subir une pénalité, on va éviter. Allez. De toute façon, ils viennent juste de débuter parce que le convoi avance un tout petit peu, c'est pour ça, donc. C'est pas grave. Allez, go. Ah oui, d'accord. Ah ouais, chaud. Ça fait plaisir, franchement, de se faire shooter par une fatale. Donc, il était chaud. Ça commence bien, je vais vous dire. Avec j'ai de l'armure, moi. Je vais passer bien en hauteur si je peux. Ouais, déjà au point de contrôle, c'est dur. D'accord. Ah voilà, c'est quand je suis énervé. Pas mal. Oui, ma tour est toujours là. Oui, j'étais pas au courant. Allez, go. Bon, il n'y a plus de tourelle. C'était prévu. Tant que je monte, sans la sur des trucs. Voilà, ça j'utilise l'armée. Quand j'ai pas d'armure, mais un peu. Bon, de toute façon, j'allais mourir, je pense. C'était un peu. D'accord, ma tourelle n'a plus de vie ou elle a encore un peu de vie? Parce que je vois qu'il y a marqué 0. Je sais pas. Peut-être des bugs, ça peut. Ah bah, tout le monde n'a plus de vie. Qui écoute un peu ses bugs, hein, bizarrement. J'ai un tas de projets pour toi. Ouais, je vais déployer en haut. De l'armure par ici. Mais c'est les tourelles bien placées, mais c'est un peu dur, hein. Bien placer les tourelles. Aussi, mais c'est dur. D'accord, ça se fait pas. Faut se dire comment j'ai gagné un peu d'armure. Ah oui, je me demandais où il était. Armure disponible. Faites vos rêves. Venez chercher de l'armure. Et la tourelle ici. Il s'est pas très bien passé, mais ça fait. D'accord, ok. Je suis victime, c'est final. Je vous dis, c'est dur. Hein. C'est faut trouver un endroit, un petit trou.
Un petit endroit genre. Vous voyez les murailles là avec les. Ça s'appelle les genres de trous, je sais plus comment ça s'appelle. En gros, on peut tirer, on a une bonne, un bon angle et les ennemis ils ont du mal parce que c'est un tout petit trou. Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est. Ouais, c'est spécial. Merci, ça se fait pas. Qui se fait pas? D'accord. C'est galère, hein, c'est franchement galère. C'est-à-dire que j'ai mon ulti, je vais essayer de la placer à un endroit où dès qu'il y a pas mal de monde, je la claque. Ça peut être pas mal ça. Arrêtez le convoi! Ah, j'ai appuyé sur le nouveau bouton. Venez-moi. Ah, c'est horrible avec lui. C'est ma place, c'est un peu horrible en fait avec lui. Bon, quand je vous dis, c'est juste pour démontrer. Je sais pas, il y a rien. Ouais. Où est-ce que je pourrais bien la placer? Ouais, là-haut, c'est plus dégueulasse. Je vais y aller, moi. C'est horrible. C'est horrible, tu es victime, c'est horrible. Plus sniper. Ah, je me dis bien. Oh là là, mais non, mais c'est la grosse galère en fait. C'est the grosse galère. C'est horrible. Oh là là. De la toile, hein, c'est le truc du dragon. Oh, le truc du dragon, là. De Hanzo. Ah oui. Micho. Ah oui, 4 mètres. 4 mètres. Il me faut plus de ferraille. D'accord. On est si chiant avec les deux morts, quoi. Une autre mort. C'est énorme. Allez, je passe ma tour à vite fait. J'ai démonté. Allez, 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 allez. On a gagné. Oh, alléluia. Oh, on est fort. On est fort. Je sais pas, mais c'est cool. Oh, c'était galère, c'était franchement galère.
Helden sterben nicht. D'accord, je suis dessus. Bon, je vous dis, niveau 100, bientôt niveau 1 avec l'étoile. Bon, c'est un détail. Bon, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode d'Hero d'Overwatch, les caractéristiques. Allez, à plus.